traîne, Amicia. Ce n'est pas comme ça que tu suivras les hommes à la chasse. C'est la seule ambition que vous ayez pour moi ? Suivre les hommes ? Moi, je les battrai à la course et ils mangeront ma poussière. Mais pour ça, il me faudrait un bon cheval. Depuis le temps que tu insistes pour faire cette balade. Mais pourquoi ici ? Pour l'arbre. Quel arbre ? Le pommier, père. Je veux passer de nouveau l'épreuve d'adoubement. L'épreuve de... Mais tu n'as plus 10 ans, tu sais. Oh, je vous en prie, père. Je me suis entraînée dur pour ça. Bon, très bien. Allons-y. Le fauve de Guyenne est pressé dans les coins. Mon fauve pense avec son estomac, comme d'habitude. Un peu comme vous, en somme. Tu es dur. Vas-y, mon chien, tu vas trouver une croix. Je crois en toi. Ah, ne rêve pas trop. Allez, avançons. Tiens, le bandeau de ta mère est encore là. C'est ici que je lui ai fait la cour, tu sais. Oui, père, je sais. Si seulement elle pouvait venir avec nous. Chacun a ses obligations, Amicia. Tu sais, dans une famille... Hé ! J'essaie de parler. Quelle autorité, chevalier de rune ! Allez, vas-y ! Et rapporte quelque chose, pour une fois. Bien. Je disais... Chacun a ses obligations. Je dois... m'occuper de ces terres. Ta mère doit soigner ton frère. Et toi... Et moi, je ne vous vois plus. Et mère, encore moins. Écoute, c'est pour toi que nous sommes ici. Alors... Suis-moi, ma fille. Quoi ? Hé ! Tu as ta fronde, j'espère. Bien sûr. Allez. Oseras-tu franchir l'enceinte de l'épreuve ? Amicia de Rune n'a peur de rien. Ce pommier a été planté à ta naissance. Il prouvera ta valeur. Chevalier, quels sont les termes de l'épreuve ? Les pommes sacrées de l'arbre... sacré ont été corrompues par un grand mal. Je compte jusqu'à 10. Si tu détruis 6 de ces pommes pourries avant la fin, je te ferai chevaleresse. Je relève le défi. Je vois des pierres près du tronc là-bas. Prends-les et dis-moi quand tu es prête. Prête. Je vais vous montrer que je ne suis plus une enfant. Bien. Reviens. Place-toi derrière ce tronc. Tu tireras d'ici. À vos ordres. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, ma fille. 6, 7, 8. Et c'est ainsi qu'Amicia devint chevaleresse. 9 et 10. Eh bien, je suis impressionné. Mais ta fronde fait un bruit de tous les diables. C'est vous qui me l'avez offerte, vous vous souvenez ? Ah oui, j'avais oublié. Eh bien, qu'est-ce qu'il a ? Il a dû flairer un lapin. Venez, vite ! Par devant, je te rejoins. Je n'ai plus les jambes de mes 20 ans. Lion ! Attends-moi ! Lion ! Un chien de chasse ! Il n'est pas censé semer son maître. Lion ! Mais où il est ? Oh, tu es là. Qu'est-ce que tu as senti ? Oh là là ! Un sanglier ! Bravo, mon chien. Amicia. Il a trouvé quelque chose ? Chut ! Venez voir, un
sanglier. C'est un sacré gibier. Ce serait l'occasion d'un beau festin. J'ai encore ma fronde avec moi. Ça pourrait marcher, mais tu dois t'approcher de lui. Ses herbes te cacheront si tu restes baissé. Dis-moi, c'est le moment. Il m'a vu. Ouvre un angle de tir discret. Tu dois toucher sa tête. Doucement, c'est sa tête que tu dois viser. Je fais de mon mieux. Je veux ce festin. Je sais, ma fille. Tu vas y arriver, j'en suis sûr. Te voilà. Utilise les hautes herbes. Reste baissé. Est-ce que la fin te rend toujours aussi précise? On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier mot. Non. Allez, lion, ne le lâche pas. Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois. Ça, je n'en doute aucunement. Ne le lâche pas, lion. J'arrive, lion. Retiens-le et tu auras un beau morceau rien que pour toi. Le sanglier, il perd du sang. Il n'aboie plus. Il a dû le trouver. Oh, des choses toutes neuves. Je vais en entendre parler. Lion, reviens! Mais... c'est le sanglier? Pourquoi il est... Lion n'a pas pu faire ça. Lion! Viens, mon chien! Lion! Lion! Je suis là! J'arrive! Je vais organiser une battue. Va trouver ta mère. Dis-lui que je dois lui parler immédiatement. Elle doit être... en train de s'occuper d'Hugo. Oui, je sais. Amicia. C'était un bon chien. T'en es où des rivets pour renforcer la porte? J'ai pas pu les faire encore. T'es au courant que les troupes anglaises arrivent? Ah. Bonjour, mademoiselle Amicia. Va falloir patienter pour les nouveaux rivets. Au fait, des nouvelles du bourg? Les gens sont nerveux. Il y en a qui ont été mademoiselle mordus Amicia, dans la nuit. Avez-vous pu... plus tard, Flore. Les... dis aux autres de ne pas mettre les pieds dans la forêt jusqu'à nouvel ordre. Morale. Oui, oui, je leur dirai. Alia Horatio Sancti Sebastiani, préserve-nous du mal, accorde-nous la santé et garde les fléaux loin de notre foyer. Prenez soin de Lion, je vous en prie. Il mérite sa place à vos côtés, même s'il faisait parfois des bêtises. Adieu, mon chien.
J'espère que Mère n'est pas trop occupée. Ça va pas durer, ce soleil. La pluie a déjà ruiné les récoltes. Les gens crèvent de faim. On a de la chance d'être dans cette maison. T'es pas d'accord? T'as bien raison. Ah, Gabrielle. Mère est encore à l'étage? Oui, elle y a passé la nuit. Le petit a encore fait une crise. Elle risque de pas être de bonne humeur. Voir ma mère? Tout juste. Vous voulez la voir? C'est important. C'est un ordre de père. Oh, dans ce cas, je dois finir votre chambre. Au fait, j'ai déposé quelque chose pour vous sur votre lit. Venez voir si vous voulez. Ah, merci. C'est le napperon que mère avait fait pour moi quand j'étais toute petite. Je l'ai cherché partout. Merci, Louise. Oh, de rien, ma douce. Faites-y attention. Oh, Léon. Qu'est-ce que je vais faire ici sans toi? Mère? Tu sais que tu n'as pas le droit d'être ici. Je sais, mais... quelque chose a attaqué Léon dans la forêt. Écoute, mon enfant, je n'ai vraiment pas le temps d'écouter tes aventures. Mais c'est vrai! Léon était là, par terre, et puis il a été... Chut! Tu vas rester ici avec ton frère. Quoi que se Ferme la porte derrière moi, et quoi qu'il advienne, n'ouvre pas les volets. Mais... Hugo... Il n'est pas contagieux. Je sais que tu ne le connais pas beaucoup, mais ça va aller. Fais-moi confiance. Oui, mère. Toutes ces potions. Mère, est-ce que vous le guérirez un jour? Maman, c'est toi? Ça fait combien de temps qu'il est ici? Viens 4 voir. Ans? 5 ans? Où est-il? Hugo? C'est moi, ta sœur, Amicia. Bonjour. C'est vrai qu'on se voit pas souvent. Maman va bientôt revenir. Allez, avance. Il a parlé? Non, Seigneur Nicolas. Il a tué deux de nos hommes. Où est-il?
pour la dernière fois. Où est votre fils? En de bonnes mains. Fouillez l'intérieur. C'est maman? Qu'est-ce qui se passe? Chut! Je sais que t'es là, Gaston. J'ai pas le temps de jouer avec toi. Où est-ce qu'ils l'ont planqué? Maintenant! Vite! C'est maman! Chut! Hugo, c'est moi, Gabriel. Viens vite! Hé, hey, toi! Viens voir un peu ici. Allons-y. Il est où, le gamin, hein? Laisse-le en paix. Ferme-la. Il appartient à l'Inquisition. Mais ce n'est qu'un enfant! Vous avez perdu la... Oh, Gabriel, voilà. Amicia, chut. Vous auriez dû nous livrer l'enfant. C'était pourtant simple. Oh non, Léa. De grâce, je ne sais pas. Ça t'apprendra. Non, je vous en supplie. Hugo n'est pas là. Et toi, reste ici. On y va. Alors dis-moi, où est Hugo de Rune? Eh bien, où vous allez comme ça? Mes enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Venez. Hugo, prends la main de ta sœur. Je vais passer devant. Vous me suivez. D'accord? Il faut qu'on traverse le jardin. Amicia, prends ton frère par la main et suivez-moi. Allons-y. Oui, oui. Faites attention aux issues. Personne ne sort d'ici vivant. Partout. Faites-moi confiance. On va passer par l'herbe. Ils ne nous verront pas. Attendez. Maman. Chut. Hey, on est un autre. C'est qui? Jardinier. Il connaît bien la famille. Il dit qu'il connaît les gamins depuis qu'ils sont nés. C'est vrai. Le petit adore les fleurs. Je lui en apportais souvent. Les fleurs? Oh! Va falloir faire mieux que ça. Emmenez-le. Soutirez-lui tout ce qu'il sait.
Non, pitié! Silence, avance. On a réussi. Chut, cachez-vous. J'ai toujours travaillé ici. Ils sont comme ma famille. Je dirai rien. Allez en enfer! Ah ouais! Après toi! Je te laisse réfléchir. Maintenant! Et toi? Crève pas sans m'avoir parlé. Vous êtes... des lâches. Ces pourritures. Oh, ça c'est pas gentil. Tu sais, faut passer. Ton seigneur, Amicia, aide ton frère. On en je vais te porter. D'accord. Robert de Rune a une dent contre l'Inquisition. Attention, alors que notre fils est noble. Allez, dis-moi tout ce que c'est. Un gamin et deux ou trois gueux qui les retardent comme ça. Attention, il va nous voir. Il faut qu'on l'éloigne. Si j'arrive à toucher les casques dans la caisse là-bas, ta fronde fait trop de bruit. Je peux lancer à la main. Ce bruit. Bien. Ça venait de on là-bas. Y va. Je crois. Ah, ma tête. Respire, Hugo, comme je t'ai montré. Oh, qu'est-ce qu'il a? C'est son mal qui se réveille. Rien. Il faut qu'on accélère. Faut que je me calme. Le garçon? Il se cache. Mais le seigneur Nicolas se sent. Il n'est pas le bras armé du grand inquisiteur. J'ai entendu un truc. Je reviens. Reste prudent. On ne sait jamais. On peut pas y aller. Mère. Peut-être que si tu lançais un de ces ponts. Vous croyez? Oui. Le bruit l'attirera. Nous passerons dans son dos. D'accord. Allez, je vous connais, vous, les pauvres. Toujours un sou caché. Ce bruit. Faut que j'aille voir ce que c'était. Allez. Oh non, non, non. Du calme. Tiens bien, maman. Bon. Oh, verrouillé de l'autre côté. Mère, il y a un trou dans le mur. Oui. Hugo, je suis désolée. Je sais que tu as peur, mais en passant par là, tu pourrais nous ouvrir la porte. Tu es le seul à pouvoir le faire. Il y a quoi derrière? Occupe-toi seulement de la porte. Tu es un garçon très courageux. Chaque jour me le prouve. Amicia va lâcher ta main et tu y vas vite. D'accord? D'accord. Allez, mon grand. Des gens. Prends ma main. Viens. Tu peux venir? J'arrive. Pitié! Pitié! On attend. Ah. La demande est grâce. Ne fais pas courir plus vite, mon ami! J'arrive. Amicia, aide ton frère la prochaine fois. Pardon, je... ma tête... Maman... Qu'est-ce qui lui arrive? Dites-moi. C'est une crise. Écoute ma voix, Hugo, tu sais comment il faut faire. Mes yeux... ma tête... Écoute-moi, respire. Pense aux petits nuages que tu avales, que tu souffles, dedans, dehors. Comme ça, doucement. Mère, on ne peut pas rester là. Laisse-lui un peu de temps. Ça va aller, Hugo. Je crois, oui. Alors, on continue. Courage, mon grand. Suis-moi, sans faire de bruit, tout de suite. Ah. Ah, voilà. Merci. Il y a des pots là-bas. J'y vais. Toute seule? Oui. Restez avec Hugo. Attendez mon signal.
J'ai pas le droit à l'erreur. Mère et Hugo, toi, va avoir le temps de passer. C'était quoi ? Je dois les prévenir maintenant. Allez, vite. Bravo. Par ici. Attendez mon signal, d'accord ? Fais très attention. C'est bon, Hugo. D'accord. La porte du jardin. On va pouvoir sortir d'ici. Il reste un garde. L'épouvantail. Je m'entraînais au tir dessus. Mais il se rapprochera de nous. Oui, mais on attendra qu'il reparte. D'accord, je m'en occupe. Ici, suivez-moi. Mon chéri, va vite te cacher. Madame, ils arrivent. Tu dois amener ton frère chez Laurentius. Le docteur ? Oui. Il m'a aidé à soigner Hugo. Il prendra soin de vous. Mais... et vous alors ? Vous devez venir avec nous. Tu n'as pas besoin de moi, Alicia. Tu es... Si, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Dépêche-toi. Suis la rivière. Elle te conduira à Laurentius. Le village doit être tout près. Quelqu'un pourra sans doute nous aider à trouver Laurentius. Hugo ? Hugo ?
maman va me gronder quand elle va voir que je suis tout mouillée. Eh ben, on lui dira pas quand on la verra, d'accord? Allez, viens, on doit d'abord se sécher. Amicia, pourquoi ils veulent nous attraper? Je sais pas. Je peux pas y penser maintenant. On dira à Laurentius qui nous amène voir papa et maman? Oui. On fera ça. Où sont passés les gens? Ah, des pommes! Hugo, c'est pas le moment. Mais... Ne touche pas! Tout est pourri! Mais j'ai faim! Comment tu peux penser à manger? Je vois de la fumée. Il doit y avoir du monde. S'il vous plaît, attendez! Madame? Qu'est-ce qui leur arrive? Elles ont eu peur. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. Il y a quelqu'un? Je suis avec mon petit frère. Il y a eu une attaque au domaine de Rune. Aidez-nous, par pitié. On est mouillés et on a faim. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est pas vrai. Il se cache. On a trop attendu. Il faut qu'on parte d'ici, je te dis. Et pour aller où? Il y a quelqu'un. On viendra plus tard, quand ça ira mieux. On sera mort avant que les choses aillent mieux. Ça suffit. Je veux plus en parler. Oh, regarde, des dessins sur les portes. Reviens. Ça veut dire qu'il y a des gens malades dans ces maisons. Ne touche à rien. Ah, ils ont pas le droit de sortir. C'est plus grave que ça. Ça veut dire qu'on peut attraper leur maladie. Alors arrête de courir partout. Oui, pardon. Le village est contaminé. C'est pour ça qu'il se cache. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête? Ça ressemble pas à une fête. Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi? Non! Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein? Cette sale vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Et je vous le dis, c'est le dernier village que vous infectez. Amicia! Viens vite! Qu'est-ce qui se passe, Amicia? Par le parcours! Mais pourquoi ils sont en colère? Ils vont nous brûler, nous aussi? Il faut qu'on se cache, Amicia! Ici, à l'intérieur, vite! C'est calme, ici. Il va nous voir. Ne bouge pas! J'ai plus qu'à attendre qu'ils se pointent. Je pourrais pas les rater. Ce bruit. Allez. Chut, chut. C'est bon, on y est. C'était rien. On l'a bien eu.
pas par là. Où est-ce qu'on va? Hugo, cours aussi vite que tu peux. Là, le mur. Ils arrivent. Vite, vite. On n'aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. On va la pousser. Oui. On va pousser. Oui. Bien, on peut grimper dessus maintenant. La tâche a l'air fragile. Mais ça va faire du bruit, non? T'as une meilleure idée, peut-être? Aide-moi à pousser. Oui. Monte, je vais t'aider. D'accord. On s'en est sorti. On va partir d'ici alors. S'ils nous retrouvent pas d'ici là. Mais t'as la fronde, tu peux nous protéger. C'est pas si facile, Hugo. Oh. Des étrangers. Hey. Oh non, vite, vite. C'est quoi? L'échelle, vas-y, grimpe, passe devant. Elle a pas l'air solide, Amicia. On n'a pas le temps, ils arrivent. Hey. Elle va casser. Non. Non. Je te l'avais dit. Hugo, où est-ce que tu vas? Me laisse pas ici! Amicia, viens! Sur le côté! Oh, tu es là! J'ai trouvé ça pour que tu montes! Bonne idée! Je vais la faire tomber! Fais attention! Allez, allez! Tiens! Bravo! J'ai eu peur! Je suis désolée pour l'échelle. C'est de ma faute. Tu avais raison. On doit rentrer à la maison. Non, on peut pas. Pas sans Laurentius. Reste ici. Et peins. C'est bon, Hugo. J'arrive. Amicia, cachons-nous. Alors, ils sont passés où? Conrad, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là, il y a 5 minutes. Vous encerclez un quartier à vous deux? C'est quoi cette blague? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer. Ils sortiront pas d'ici vivants. On y va. Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins. Alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal, une fillette et un enfant ici par les temps qui courent? Sûr qu'ils sont sortis de l'église avec le reste de cette pourriture. Oh, Amicia, ta fronde fait trop de bruit. Tu as raison. Il y a eu un bruit. Je suis pas dingue.
encore eux. C'est par où? Je sais pas. Y'a aucune issue. Oh non. Vite, s'il te plaît. J'essaie. Ça va pas les retenir longtemps. Vite. Ils savent qu'on est là. Non, elle est bloquée. Débranchez-moi cette putain de porte. Hugo, passe par là. Ouvre-moi. D'accord. Vous foutez tous ici. Ils vont coincer une planche. Tu peux l'enlever? Je sais. Fais vite. Vite, Hugo, je t'en supplie. J'arrive pas. Hugo, il est là. J'arrive. Hugo, fais quelque chose. Viens, Amicia. Cours. Je dois m'arrêter, Amicia. Continue, Hugo. Encore un tout petit effort. On dira à Conrad qu'on les a perdus. Restons pas ici. Chut. Calmez-vous, c'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trompés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous dans un coffre. Vous êtes sûr? Merci. C'est mieux. Et toi? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête! On va se faire attraper! Hugo! On fera ce qu'elle a dit! Ne discute pas! Hugo, attends! C'est la bonne taille, on dirait. C'était à mes petits-enfants. Oh! Je m'appelle Claire V. Moi, c'est Amicia. Et lui, c'est Hugo. Dis merci, Hugo. Merci. Claire V, qu'est-ce qui se passe ici? Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants sont... Mais où sont vos parents? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille Clairvie, alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin, mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cour, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Bien. J'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Parfait. Il faut que j'aille remercier Clairvy. Ah, alors? C'est bien mieux. Merci, Clairvy. Merci pour tout. Tu sais que vous les avez perdus? Ouais, ils font pas de vieux os, si tu veux mon avis.
Lâche ce maillet. T'es idiot ou quoi? Je suis pas idiot. Ne crie pas. Les enfants, ne faites pas de bruit. Je veux voir maman. Tais-toi. Tu vas nous faire tuer. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman. Maman est morte, Hugo. Tu la reverras jamais. Papa non plus. Amicia. Tu mens. Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors tais-toi. Menteuse. Menteuse, je te déteste. Arrêtez. Hugo, non. Hugo, attends. Ne sors pas, tu es fou. Hugo, reviens. Oh, c'est pas vrai. Oh non, il va nous faire tuer. Hugo, je t'en supplie. Je suis désolée, arrête-toi. Mon Dieu. Oh Seigneur. Hugo. J'aurais pas dû crier. S'il te plaît, écoute-moi. Non, je suis désolée. Non, 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 non. Monstre, laissez-le. Lancez l'acte. Non, attendez, on peut juste en aller. Tu vas partir. Je voulais pas. Amicia, tu l'as tuée.